Mer fatu ga yellan kenda ya wan kuro ba maram ti de te ba maram foda Zunduzunye wara yelle Ngam taba kulum kalam la furta Shaka jam problem Wara yelle yelle Je vous remercie à tous d'avoir répondu à mon appel. Vieux Choco, je vous laisse la parole, comme vous savez déjà de quoi il s'agit. Bien. Alors, les voisins, bon, bien sûr, la voisine n'est pas là, on lui fera un compte-rendu. La voisine présente ici m'a confié qu'elle vient d'ouvrir une boutique de vente de produits de beauté dans le quartier. Naturellement, une telle entreprise nécessite à la base beaucoup de bénédictions. Et comme elle nous prend comme ses premiers parents, elle m'a dit qu'on se rencontre pour qu'ensemble nous puissions bénir son projet et l'accompagner de nos prières. Non, voisine, tu as mon appui, il n'y a pas de problème. Merci. Il faut t'attendre de temps en temps que je vais passer te voir. Il n'y a même pas de soucis. Bien. Que Dieu t'accompagne. Amen. Qu'il exauce tes prières. Amen. Et tes vœux. Voilà. Amen. Mais moi, je n'ai rien compris. Hein. Tiens, le quartier a changé. Hein. J'ai failli ne même pas reconnaître. Et puis, il y avait un terrain vide vers là. Oui. Du coup, je vois, c'est R plus 5. Ah. Ça là, les gens sont rapides, hein. Et regarde, le blanchiment d'argent, les prête-noms, tout ça là, c'est de la corruption et le produit de la corruption qui s'exprime. Figurez-vous que l'immeuble appartient à un jeune de moins de 30 ans. Quoi? Non, ça c'est pas clair. Non, moi-même j'ai 40 ans, je n'ai même pas passé le vide. Et lui, il a moins... Non, attends, ça là. Non, tu vas très vite. Figurez-vous. Moi, j'ai 35 ans sonné, bien sonné, dans la fonction publique. Je n'ai même pas un 18 ans. Je vous ai pas tout dit. Figurez-vous que son père vient de mourir. Oh, c'est bon. Non, il a vendu son père cher. Il a vendu l'âme de son père pour devenir riche. C'est bien, là. Non, je vous en prie. Oui. Il y a quel rapport? Elle est venue demander bénédiction. On l'a fait. Il n'y a qu'un rapport avec maintenant le bien de ce petit. Mais j'ai causerie. Mais j'ai vu, c'est dans le même quartier. Tu n'as pas vu son immeuble? Et après? Moins de 30 ans. Et alors? C'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ça? Hein? Mais l'enfant a travaillé. L'enfant s'est organisé dans sa vie. Nous travaillons tous. Mais regarde le petit. Moins de 30 ans avec cet immeuble-là. Mais attention. Il a fait son projet et la chance l'a souri. Votre problème là, c'est quoi? Écoute, il a vendu son père pour devenir riche. C'est ça, tu ne peux pas nous arriver ça. C'est clair. Qui ne meurt pas? Vieux Choco. Oui. Ton père, il vit? Non. Alors, donc tu l'as vendu moins cher? Non, moi, mon père est mort naturellement. Ah. Oui. Est-ce que vous avez vu le petit égorger son père? La preuve, l'immeuble. Ah oui. Et il n'a pas 30 ans. Je ne sais pas, il n'a pas 30 ans. Même à 20 ans, quelqu'un peut avoir plus que ça. Mais à moins de combien d'années, là? Non, si tu manges avec le petit, si tu as donné à manger, tu nous le dis. Il n'y a pas la peine de discuter jusqu'à perdre... Tout son travail, là. Attendez. Même si je vais, s'il vous plaît, même si je mange avec lui, il n'y a pas un problème. Voilà encore un cas. C'est bien dit. Admettons que moi, je mange là-bas. Admettons. Le problème, il est où? Nous ne comprenons pas que tu deviens pas une question de l'avocat de ce jeune homme. Je ne suis pas avocat. Non, c'est pas une question de vérité. Laissez tomber ça, vous voyez. Vous ne pouvez pas avancer. Cherchez pour vous. Au lieu de vous éterniser sur la richesse des autres là, cherchez pour vous. Dieu quoi? Il y a son tir in Taranyamba. Vous êtes aigri. Ah! Waga! Abani la bombe pour Rombeo.
mère fatu way lan kenna ya wankuru ba maram tire te ba maram fora duniya wora yelle ngam taaba kulum kalam la furta chaka jam problem wora yelle yelle À l'occasion de notre fête, ma famille dit de vous apporter à manger. Posez ça ici. Merci. Hé! Hey. Viens ici. Prends ce repas, va le jeter dans la poubelle. De manger un plat souillé. Tu sais, toi, là, tu es en train de gâter le café ici. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Et puis, tu es là, tu te dis, tu joues celui qui connaît l'utile pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Hein? Alors que Dieu a dit, là, que tout le monde, tout être humain, le respecte. Quand même. Qu'est-ce que tu connais de Dieu, toi? Toi, tu penses le connaître mieux que tout le monde. Tes voisins t'apportent à manger au nom de Dieu. Hein? Et c'est derrière ça, la solidarité, le bon voisinage, c'est ça. Tu es une âme égarée. Nous ne pouvons plus vivre ensemble. C'est toi qui vas devoir quitter la cour. C'est la cour de notre père. Je ne bougerai pas d'ici. Regardez. Que Dieu ait pitié de ton âme. Dieu ait pitié de ton âme plutôt. C'est ça. Tu vois, tu veux apparaître aux yeux des gens comme un homme de Dieu. Alors que là, la religion, c'est le même Dieu. Et toi, tu te prends pour le cousin direct de Dieu, quoi. C'est ça? Hypocrite. Ah! Waga! Oui. Tonton, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Y a quoi encore? Tonton, je venais te voir. Et tu es mon seul espoir. Mais voilà, je suis là, vraiment. Tonton, vraiment, je suis malade et j'ai une ordonnance sous la main. De 10 000 francs seulement. S'il te plaît, tu es mon dernier espoir. Aide-moi. Sincèrement, tu ne peux pas comprendre les difficultés que nous avons en ce moment. Rien ne marche dans le pays. Ça ne marche pas. Si toi, tu me donnes 10 000 francs là, je serai content. Tonton, même si c'est la moitié, 5 000, ça ne va pas. Tu es mon dernier espoir. Mais pourquoi tu insistes? Quand je dis que je n'en ai pas, je n'en ai pas. Hein? Je n'en ai pas. Quand même. Hein? Je n'en ai pas. Mmh.
d'accord là. Hein? Tonton, je te connais, tu es mon oncle. Je sais que si tu avais l'argent, tu allais vraiment me donner. Ça va, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Je te connais, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu... Ah alors, mais oui. Pourquoi tu insistes? Non, non, non. C'est... Écoute, colle-moi la paix. Oui. Allez, au revoir. Merci. Quand je vais avoir de l'argent, je te ferai signe, tu viendras prendre. D'accord, merci beaucoup. Écoute, il y a un ordi qui est venu à moi. Mais en attendant, soigne-toi si tu peux. Ah, c'est terrible ça. Oui, allô? Allô? Halima? Écoute, tu viens vite chercher les 50 000 francs que je t'ai promis. Tu viens rapidement parce que j'ai des courses à faire. Allez, à tout à l'heure. Non, patron, c'est au hasard, je passais et puis je vous ai vu. Voilà, il faut faire attention, tu as compris. Un travail, c'est un travail. Tu me cherches pourquoi? Trop, ça ne va pas du tout. S'il vous plaît, hein? Quand même, 20 000 francs. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Tu veux que je fasse quoi? J'ai pas d'argent? Ou bien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Patron, bon, vraiment. Même si c'est la moitié, 10 000 francs, patron. Pardon, il faut me donner ça. Si vous n'avez pas d'argent sur vous, faites un transfert. Tu parles de 20 000. Tout de suite, je dis que je n'ai pas d'argent. Tu dis 10 000 francs. Je dis que je n'ai pas d'argent. Tu veux que j'enlève ça où? Hein? Patron, même si c'est un transfert, faites ça. Hein? Ça va vous faire quoi? Vraiment. Ça ne va pas chez moi aussi, patron. Ça ne va pas du tout. De toute façon que ça ne va pas chez toi, là. Chez moi aussi, ça ne va pas. T'as compris? Patron, non. Ça. Hein? Ça vaut combien de temps? Je suis derrière vous. Hein? Pour moi. Puis c'est mon argent. J'ai dit je n'en ai pas. J'ai pas 10 000, sauf quoi? Oh, patron, vraiment. Moi aussi, j'ai des problèmes. Hein? Vraiment, ça ne va pas du tout. Hein? 20 000 francs, je suis obligé de te poursuivre partout. Hein? Bon. Te chercher partout. Ce que je peux faire, je vais te faire un transfert de 5 000 francs. Les 15 000 francs là, il ne faut pas me réclamer d'eux. Tant que je ne t'ai pas appelé. On est d'accord? Est-ce que j'ai le choix? Il faut faire, il n'y a pas de problème. Bon, patron. Fous le pain. Allez, vas-y. Hey. Vous avez fait un transfert de 500 000 francs au numéro 22 85 85 80.
Ah! Waga! Donc comme ça tu veux te marier? Oui. J'espère que les 100 000 que je viens de te donner, ça va suffire à faire quelque chose. Ah oui, ça va beaucoup m'arranger. D'accord. Surtout que moi-même, comme je me débrouille, oui. Ça va faciliter les choses. D'accord. Et tu vois, bon, une femme, il faut l'entretenir. C'est ça. C'est ça. Comme j'ai pris maintenant ma responsabilité de prendre une femme. C'est ça. J'espère que c'est une fille de bonne famille. Oui, si. Elle ressemble à quoi? Je verrai la reconnaître. Non, elle est très gentille. D'accord. Un peu ton genre, et puis mais c'est que la corpulence est un peu tout quoi, c'est plus courte quoi. Sinon elle est bien. D'accord. Elle est sans façon. D'autre part, j'espère que tu es quitté dans ton alcoolisme là maintenant. Quand je vois une bouteille comme ça là, je te jure, ça me donne une allergie. Ah, alléluia. Amen. Amen, amen. Je suis devenu allergique à l'alcool. C'est fini. Oh, 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 oh. Dieu merci. Je ne veux même pas entendre ça. D'accord. Ceci étant bon. Oui. Rentre bien. Allez. Ouais, merci bien pour les 100 000. Okay. Merci bien, okay. Merci bien, merci bien, merci bien. Eh, hey, ma soeur, vraiment, grand merci. Ma soeur, c'est calculé. Ma soeur, c'est calculé. Chou, et ma doléance? Quoi? L'argent? Oui. Considère que c'est comme si c'est déjà fait. Il n'y a même pas de problème. Ah, merci. Problème. Mais c'est pas tout. Oui. Ma copine a un petit souci. Là, c'est là dans Lomé, mais elle n'a pas de transport. Laquelle? Ma copine assise ici. Hey. Oh. Tu veux aller à Lomé? Oui. Oh. Comment? Tu veux aller par avion, je crois? Je sais pas. Par avion, c'est mieux. Tu ne trouves pas? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis votre solution. Hey, la solution. Buvez. Ok. Quoi ça? Just quoi? Faut encore un inem dans win-win, maman. Faut n'en avoir la bien et belle. T'es un pire. Quoi ça, man, toto? Quoi, man, n'aime halal, tiens, auto. Y'a un d'arrêt, quand on bonde. Et la part gana qui para. La reine, quoi, bah, ouais, quand y'a un yori. Quoi, man, n'aime halal, tiens, y'a auto. Y'a un yin, n'a moi. Seigneur, Zousoba, madame, Zousoba. Ma soeur. Madame, je suis dans l'église. Je suis dans l'église. Oui. Oui, papa. Oui, papa. J'ai des conseils. Tu n'as pas quoi? Quand je suis marié. Ma copine, vivant. Waga. Je suis là. Je suis là. Dehors. Va au salon avec ton bar. Avec une telle odeur, je sais que tu serais inefficace au lit. Je vais me laver. Dehors. Je ne peux pas continuer à coucher avec ma co-épouse. Sors, la porte est ouverte. Va au salon. Oh. Vite, va au salon. Faut aller. Oui. Ah. Waga. Merci. Ça va bien? Oui, ça va. Et ta journée? Oui, ça s'est bien passé. Ah, c'est le train quotidien, c'est loin. Mmh. Ah, ouais. D'où sort-il ce parfum?
Comment ça? Ça c'est un parfum de femme, sans voix. Non, c'est le parfum que j'ai porté ce matin en quittant ici. Jamais. Comment ça? C'est ça? Écoute, ne t'amuse pas. Ah, quand même, tu vas quand même pas me... Tu me connais. Tu vas quand même pas me frapper encore à cause de ça. Tu me connais. Oui, je te connais. Mansoukri, s'il te plaît, ne me frappe pas. Mansoukri. Hein? Ah oui, tu as raison. Tu sais, ce matin, quand j'étais au bureau, là, je suis sorti avec le véhicule de service. Quand je suis allé, je suis tombé en panne. C'est là-bas que je suis revenu en taxi. Il y avait tellement de femmes dedans, là. C'est sûrement là-bas. Un de tes nombreux mensonges encore. Si jamais tu recommences ça, tu vas connaître. Ok, allez, merci. Merci beaucoup. C'est pas facile. Ok. Cousin. Oui. Comment ça va? Ça va? Ouais, on est quoi? Eh, madame. Oui, va bien. Cousin. Oui. Je suis vraiment venu te voir. Mm-hmm. Non, cousin, ça ne va pas. Je ne peux plus supporter ça. Comment ça? Tu vois ma fiancée? Je la connais. Elle m'insulte, elle ne me respecte pas, elle me dénigre devant les gens. Elle m'humilie comme ça. Hein? Toi aussi. Elle va même jusqu'à parler des trucs. Non, je ne peux pas. Écoute, tu ne peux pas la frapper, non? Il faut la frapper une bonne qui fait. C'est fini. Tu règles le problème. Hein? Non, écoute là. Ça vaut déjà la tête, tu es venu pour me raconter là. Ah non, écoute, il ne faut pas déconner. Je ne peux pas, je ne peux plus supporter. C'est plus possible. Hé, tu rentres là. Et ça mûle là. Ici. Lim. T'es venu. Viens, on va manger. Laisse ça. Cousin, hein? C'est bon pour moi. Après ce que tu m'as dit là. Désormais, la femme. Doucement. Oh. Moi, femme, mais je t'aime. Voilà. Tu vas entendre. C'est comme ça que nous tous, on règle nos problèmes. Tu vas entendre. Voilà. Bon, je fais là. Voilà, tu gères ça. Ça. Ah. Waga. Bonjour bébé. Ah, quelle surprise. On n'avait pas rendez-vous? Oui. Oh, ben c'est un plaisir de te voir. Ça va? Ça va. Dis donc, quelle surprise, vraiment. Ah, je suis heureux de te recevoir ce matin. Hein? Ah, mais pas tellement. Alors, il y a quelle nouvelle? J'ai pas mes règles, il y a 3 semaines. Tu veux dire que tu es enceinte? Oui. Et qui est le père de ton bébé? Toi. Comment ça? Mais je ne sortais avec personne que toi. Alors là, c'est pas simple. Tu fais exprès ou quoi? Ben non. Tu sais que je suis mariée. Que j'ai des enfants qui ont fait des enfants, donc je suis grand-père. Ce serait mal vu dans la société. Il faut qu'on trouve une solution. Mais surtout pas l'avortement. Comment? Je ne peux pas mettre ma vie en danger et celle de notre enfant. Tu as une idée? Oui. Alors, c'est quoi ton idée? J'ai un copain en Europe. Ici, on fait vite. Je peux arriver. Il attribue la grossesse. Ah, ok bébé. D'accord. Okay. Écoute, une très bonne idée qu'il faudrait exploiter rapidement. Mais il faut combien en principe? Bon, il me faut mon passeport. Oui. Un billet d'avion. Et... Viens demain matin, je te fais un chèque de 5 millions. 5 millions? Oui. Tu es sûr que ça va suffire? Bah évidemment, ton billet d'avion, ton séjour et tout ça, le temps que tu sois sous le couvert de ton copain, quand même, je pense que c'est bien payé quand même. Hein? D'accord. 5 millions quand même. Pas de problème. Ok. Je te fais un chèque demain matin à 8 heures. D'accord. Donc je te laisse travailler? Ouais. Et on se dit à demain. 8 heures, c'est bon? C'est bon, c'est moi qui te l'ai dit, non? Ok. À bientôt. Ok. Bonne journée. Bye. Ma copine, ça a marché. Je t'ai dit, même très bien. Mon chèque demain matin. Oh, ok. Prochaine étape.
À mon tour, je te dis viens. Allô? Ah, ma fille, tu as enfin trouvé le temps de penser à ton vieux papa. À ton papa, je veux dire. Hein, tu veux me voir? C'est urgent? Bon, écoute, je te rappelle, je suis avec des amis. Voilà, à bientôt, ma fille. Oh, c'est bien ça. Bonjour, les tontons. Oui, bonjour. 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 S'il vous plaît, je peux me joindre à vous. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ouais. C'est clair. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Tu vas bien? Ça va. Ça va? Oui, ça va. Mon petit. Écoute, il n'est pas si petit que ça. Ce jeune homme, il est en âge de se marier. Oui, c'est vrai. Tu as raison, papa. J'attends ma copine ici. Ah, ta copine. Je te donne un conseil, mon fils. La femme, il faut savoir l'aimer, la flatter, mais aussi, surtout, la tromper. Eh oui. Ah oui, tant que tu ne fais pas ces trois choses-là, elles peuvent te créer des misères. Tu sais quoi? Tout passe par le regard. Dieu, c'est là que se joue tout. Si elle résiste, alors, mon fils. Papa, je l'aime bien. Le jour qu'elle sera chez moi, donc. Il a pas envie. Voilà, c'est elle qui vient comme ça. Ma chérie. Petit. Oui, tonton. Ça va? Oui, ça va. Tu as écouté les conseils de ton beau-père? C'est mon beau. Oui. Il faut les appliquer. Il faut l'aimer. Il faut la flatter. Il faut souvent la tromper. Le petit là. Chérie, oui. Il faut qu'on parle. Ah, d'accord. Mmh. J'ai réfléchi. Mmh. Et je vais vraiment être très clair envers toi. Ok. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin, moi je vais prendre en charge le gaz. Mmh. Si le gaz finit, tu m'informes seulement. Mmh. D'accord? D'accord. Ça, c'est bien. Voilà. Deuxièmement. Les factures de dos là, moi je vais m'occuper de ça, d'accord? Ah oui. Maintenant toi, tu vas t'occuper du loyer de la maison, ici là. Tu vas t'occuper du loyer de la maison. Deuxièmement, tu vas t'occuper de la nourriture là, la popote de la maison là. C'est toi qui vas t'occuper de ça aussi, d'accord? Troisièmement, les factures d'électricité là, tu vas gérer ça aussi, ok? Et pour finir, même notre carburant là. Hein, notre carburant de déplacement, mon carburant, toi, donc c'est toi qui vas t'occuper de ça. Tu as pu aller? Je rêve. Ou bien tu es au sérieux? Je suis au sérieux. Ce matin, tu es au sérieux? Je suis au sérieux. Mmh. Ah oui. Donc maintenant, c'est moi l'homme de la maison. C'est moi le chef de famille et non toi. Hein. Je porte le pantalon maintenant à la maison. On ne parle pas d'homme de la famille, on ne parle pas de pantalon. Mmh. Toi, tu touches plus que moi, non?
Moi, je ne suis qu'un simple fonctionnaire. Moi, je suis un agent de bureau. Un agent de bureau à quoi? Rien. Toi, tu es carré aux impôts. Car tu as un gros salaire. Deux, vous avez des avantages comme le fonds commun. Toi, dans vos remèdes, vous avez 9 millions par an. Moi, c'est un. Tu vas dire, c'est pas non. En plus de ça, tu as des grandes indemnités là-bas. Sans oublier les bons de carburant qu'on vous donne là. Au moins, toi, tu peux gérer ça. Moi, j'ai un bon. Allez, libérer quoi. Ah. Donc, c'est moi maintenant ton guichet automatique. Hein? Qui parle de guichet automatique ici? Ok, si. Écoute. Je veux que tu m'aides, tu touches plus que moi, tu dois m'aider. Okay. Demain, le maire, on a des communautés de biens. Donc, c'est celui qui a le plus grand salaire là. C'est lui qui s'occupe de la maison. Actuellement, là, c'est toi. Mm-hmm. Donc, il faut m'aider. Ok, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, je préfère qu'on aille à la justice dès ce matin pour changer de régime. Qu'on aille où? À la justice. Vous faites quoi? Pour changer de régime. Pourquoi? Changer quel régime? Est-ce qu'on s'est bagarré? Ton histoire. Les communautés des biens, je n'en veux plus, monsieur. Merci. Donc, t'as dit, fâché comme ça. Si tu persistes, je te préviens, on va dès maintenant et dès ce matin même à la justice. Hein, tu vas aller à la justice faire quoi? Je t'ai dit seulement, je préfère qu'on en pour les biens séparés. Et là, dès ce matin, on va aller. C'est quoi? Oui. Bien séparés. Ce matin. Hein? Moi... Là, chacun gère maintenant ses soucis. Chacun a son argent, il fait ce qu'il veut. Faut pas aller à la justice, tu vas aller dire quoi là-bas? Moi, je ne veux pas te voir là-bas. Ah. Tu vas aller si bien séparé, tu vas séparer quoi? Faut pas aller là-bas. Ah. Ah! Waga! Oui? Il est rembordé. Ah, Mimi! Ah, bien, il y a quoi? Vous savez, on vous aime. Je suis un peu plus de temps. Ah, il y a un peu de temps. Ah, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un mécanicien. Il y a un peu de temps. Alla tawa pour ma. Nay min daliga wa. Bahri, ni azabun gwamma ha. Dana min tin wala mobil lon ko fo wa. Tay mo yoro kan yi nan. Ya bi yelle. Am no wa mécanicien wa. Garagiste am. Mécanicien ubedo. Mécanicien wala fo mo wala min non wala min wa da non lom la. Ah? Ya ba non lom la renda. Mo yoro non wa mécanicien. Easy one. Ah! Waga! Ah! Waga! Waga! Oui! Bonjour, Tanti. Mimi, ça va? Vous allez bien? Bon arrivé, prends-toi une chaise. Ça va bien? Oui, ça va. Ça fait deux jours. Ah, je suis là. Quel bon vent t'amène? Ah. Je suis là ce matin avec mon problème, Tanti. Quoi? Je suis là pour que tu m'aides à choisir entre mes trois prétendants là. Haya. Il s'agit de qui et qui? Ah, il y a Marc que tu connais déjà, l'étudiant là, celui que tu avais chassé là. Il a eu la douane. C'est devenu un grand douanier. Ah bon? Oui. Et il y a celui qui m'a payé la moto là, à 1 million. Oui. Il y a le tailleur de Sankariari là aussi. Quoi? Oui. Il y a un tailleur aussi à Sankariari. Vous les enfants là. Laisse le tailleur là dans son petit coin là-bas. Tout de... Je veux que tu ailles restituer la moto de 1 million là à son propriétaire. Pourquoi? Marc, quant à Marc, dis-lui de venir me voir. Mais tu l'avais chassé. Laisse ça. Ça fait partie du passé. Hein? Lui-même est capable de te payer voiture un jour.
Mais le problème là, c'est que moi j'aime le mécanicien là. Comment? J'aime le mécanicien là. Pourtant là c'est la malédiction même ou bien c'est quoi? Le mécanicien là peut faire quoi? Il a quoi? Hein? Je l'aime. C'est mon avis tu veux? Va t'asseoir ici. Ah! Waga! Oui, vous êtes en rupture. Aïe, un mois. Mais moi, j'ai la patience sous mes yeux. J'ai pas de pierre noire. Je fais quoi? Ah là. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma femme. Là, dit, ne paniquez pas. La seule solution, ce que je peux faire dans l'immédiat, c'est de lui faire consommer de l'alcool 90 degrés pour retarder l'effet du fêlé. Le produit, il est à 25 km d'ici. Moi, ma femme Aya, boire de l'alcool devant moi. Je préfère qu'elle meure. Docteur, apportez-moi l'alcool. Je ne vais pas mourir. Aya, le paradis n'est plus loin. Foi d'un large croyant. Donnez-moi l'alcool. Je veux le paradis, mais pas aujourd'hui. Ah! Waga! Ah! Waga! 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 Allô? Waf Ndoum Paria. Tabe Kanimam. La haya sida, mam patar kubu sablaye. Mpamye, yam tarati mabi. Seme. Aïe. Tu vois, Manduna, aïe. Aba. Docteur, farine par un coma, s'il vous plaît. Ladi, ramène la bémie. Même toi, man, boumou, masmo senti, son de fin. Nanti dame d'alimou, alcool 90 degrés. Souma. Naïl ti zi marawa boussi. Ti ma bémie, la zigezan. Kilo psi la nika. Kanane. Souma. Maman ladi para aya. Nous avons l'alcool. Je suis tombé. L'octeur, quand il y a l'alcool, je ne parle pas de qui il est. Aïe, au sein qui roule, il y a l'argent sur la boutique. Il y a même un docteur. L'octeur, quand il y a l'alcool, je ne parle pas de l'argent. La personne est. Ah! Waga! Il faut savoir garder patience. Calme-toi. Il n'y a même pas de problème. C'est que le DG là, pour la voix, c'est infernal. Il est dans des mouvements entre les avions, tu ne peux pas comprendre. Présentement, il est à New York. Et de New York, il va prendre le TGV pour aller à Paris. Tu connais le TGV? Très à grande vitesse. Et à Paris, il va traiter des dossiers, rencontrer des partenaires. Et quand il aura fini, il quitte Paris pour Tel Aviv. C'est en Sierra Leone. Là aussi, il va échanger. De Tel Aviv, maintenant, il descend à Yako. Il contourne, il va à Yako, Yako, il descend à Ouagadougou. Mais le gars, s'il vient, je vais te faire signe. Est-ce que ça, il y a problème dedans, s'il te plaît? Tu sais, j'ai jamais été à New York. Mais de New York à Paris à train. J'ai dit TGV. Tel Aviv, c'est la capitale d'Israël. Donc laisse tomber tout ça là. Tu me rembourses mon argent.
New York, Paris, Tel Aviv, machin, tu me rembourses mon argent. Mais j'ai tout vidé, je t'ai tout remis, je suis sans emploi, sans argent. Est-ce que tu peux baisser la voix? Je t'ai expliqué quelque chose. Il faut me croire. Moi, je ne peux pas quitter Ouagadougou, je ne peux pas quitter le pays là. Je vais aller où? Mais c'est tes paroles de tous les jours. C'est bon. Tu me rembourses mon argent et on est quitte. Sinon, sale escroc, Ouaga sera petit pour toi. Ah, mon pote. Oh, on y va. Comment vas-tu? Oui, ça va. Mais celle-là, mon vieux, hein? Elle est en forme. Eh hein? Tiens, moi j'ai fini avec celle-là. Vraiment, tu ne chômes pas. Ça me chère, ça vient me harceler dans les deux, je te jure. Hein? Mais dis-moi ton secret. Non, rien. Laisse tomber, laisse le sucre bien mes reins. Avant, tu es mieux, t'étais chez moi. Mais de là, ça. C'est bien. Le vieux se plaît. Mais tu fais bien, je ne te vois pas, ça, c'est un problème. Je ne vais plus te laisser une minute. Mais quand même. Ça me rejoint. Ça me rejoint, voilà. Ça me cherche. Je ne peux pas. Allez, laissez ça tomber. Au fait, oui. tu sais que le Burkina est à l'honneur. L'artiste peintre Sita a été nominé sur le plan international. Et voilà la joie du pays. Sita. Oui. Sita. Tiens, c'est un problème encore, toi, tu vas amener là. Ah. Comment ça? Tu connais Sita? Regarde. J'ai fini avec Sita. Ah bah. Elle est très noire comme ça, gazelle. C'est oui. Celle-là, Audrey de Sagan. C'est plus dangereux, vraiment. Elle a été nominée. Hein? Oui, elle est. J'ai écouté la radio ce matin. Et le Burkina a l'honneur. Ouh là là. Ah, ouais. Estelle, elle peut même pas me regarder dans les yeux comme ça. Tellement tu as. Non, en fait, le problème même. Oui. Ah, ça, vraiment, elle a couru derrière moi. Elle est fatiguée. C'est là, j'ai fini avec elle. C'est pas vrai. Oh, ben, moi, j'ai fini avec celle-là. J'ai trop tapé celle-là. Tu prends quelque chose? Non, je ne me sens pas d'appétit. Aïe. Oui, oui, c'est bon. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, ça va, ça peut aller. Vous me connaissez? Non. Vous ne me connaissez pas? Ah, mais apprenez à connaître vos artistes. Vous devez connaître leur nom à l'état civil et qui ils sont réellement. Renseignez-vous. C'est moi, l'artiste Sita. C'est moi qui viens d'être nominé là. Vous exagérez enfin. Renseignez-vous avant de vous vanter. C'est quoi ça? Il y en a marre. Alors, mon type. Ah! Ouaga! Madame Tikiri, à Oto. À Oto. Bola Zoahi, à l'Oto Raya. Ah, le tout à l'homme. Il a tinké l'Oto Raya. 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 Il y a l'autre qui m'a fait l'autre. Merci. Il y a un petit peu de temps. Quel moins d'oreilles que dit? Bid, l'écadier là. On connaît. Tu vas vivre dans pas mal la vie. Et. Sans n'y avoir auto, il te perd de temps. Il y a un combat. Il te cause un bout de fin. Donne-nous un âme d'arpanga. Ton nouen am tarpanga, yasida, alléluia. Farido, yasida. Sois là, Jésus-Christ. Donnez-lui-ma. Joussaba, madame, joussaba. Sassou mwende. Pansan kato saba. Nyam tarabumba fagil toro. Nyam toro ya sida. Nyam nougumarda ne. La nyam marda ya sida. Ton nankosa nyamba. Ti tomba bigan. Sembe yam tore. Anka lafi.
ti koni sa lafi. Yisi suitama la, omino porel, ti baya suitama. Ton wenda ya lafi wende. Ton wenda ya bimfa, yisi ya soma wende. Jusa nam jusa ba, sa fi wende. Tansi kato sa ba, Jésus Christa, ma anaba. Jésus Christa. Aksaba, bahia, yampane henta lorso, bahia ti yikia. Para, kowen si la, kowen si ti Jésus Christa, ma anaba. L'imam Yada. Oui. Alhamdulillah, assis-toi, Jinka.
Ah, oh, Waka.